Dieu merci, vous voilà réveillée. Dites-moi, c'est à me dire, il me semble bien malade. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai juste un peu froid. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Tout aussi urgentes et difficiles les unes que les autres. Peut-être pourriez-vous m'aider, l'ami. Le capitaine Fougerine refuse de tenir compte de mes mises en garde. Je n'aime pas du tout la mine de ces rôdeurs. Que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire pour vous ? Pourquoi est-ce que vous m'embêtez ? Tous ces gens sont si paisibles. Il est ardu de les convaincre que des gens mal intentionnés vont commettre de terribles actes. Avant de vous battre, vous devez apprendre certaines compétences auprès de votre mentor. Vous auriez un peu de temps à m'accorder. Bonjour. Vous sentez-vous plus en confiance avec ce que vous avez appris ? À me dire, mon pauvre vieil ami, une ombre a obscurci son esprit. Je n'aime pas du tout la mine de ces rôdeurs. Voilà notre oiseau de mauvais augure.
impossible! Comment une mauviette telle que vous a-t-elle pu vaincre le maître loup? Calder Signul ? Un traître ? Ainsi, le danger était donc plus proche que je ne l'avais imaginé. Je n'arrive pas à déterminer ce qui est le pire. La traîtrise de Calder Signul ou l'indifférence du capitaine Fougerin. Qu'est-ce qu'il vous faut? Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Calder Signul m'est fidèle depuis son plus jeune âge. Il serait sans doute plus sage d'examiner votre requête. Amdir a l'air vraiment différent depuis la nuit dernière. J'ai faim! Tiens, un étranger! Quelle rencontre providentielle! Notre meilleur espoir est d'aller chercher de l'aide à Combe, le village voisin. Ils ne laisseront pas Archer tomber aux mains des brigands. Je peux vous parler un instant? C'est impossible! Il faut immédiatement que j'écrive à Fougerin. Ah? Qu'ai-je fait? Comment ai-je pu me tromper à ce point? Ne perdez pas espoir. Vous en êtes bien sorti.
J'imagine que vous m'apportez de mauvaises nouvelles de la ville. Calder Signul a enfin montré son vrai visage. Beau travail, l'ami. Il nous reste encore de l'espoir. Ce qui nous manque, c'est un plan. Salut, l'ami. Une impasse nous sortirait de ce pétrin. John Fougerine et ses chasseurs ont atteint les abords d'Archer, mais ils ont trouvé le village en flammes. Un combat désespéré pour tenter de renverser la situation va s'engager d'un instant à l'autre.
mais fort heureusement, vous êtes arrivés à temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons sauver Ned. Nous devons encore sauver Archer. En voilà d'autres. Nous devons retrouver mon père avant qu'il ne soit trop tard. Regardez, Afti est devant nous. Tout n'est pas perdu. Bienvenue, l'ami. La maison des artisans est-elle en sécurité ? Je garde espoir. Père, je savais que tu survivrais. Et voilà! Défendez-nous! Perdu de temps. C'est le rondeur que nous voulons.
liquide sur nous. Mon père avait raison de ne faire confiance à personne. L'attaque des brigands du plateau noir s'étant soldée par un échec, les habitants d'Archer entament la reconstruction de leur village. Mais tous les dégâts ne sont pas facilement réparables. Ce qui est arrivé à Amdir le rôdeur demeure un mystère, et ceci risque d'avoir des conséquences néfastes pour le pays de Bré. Il reste toutefois l'espoir de le sauver. Que vous faut-il ?